Bonjour à tous. Aujourd'hui, dimanche, le 30 juin, au retour, au nos grandes écoles de philosophie, nous passe un message très important en cette fin de semaine, ou début prochaine semaine. Vous êtes tout le temps avec l'avenir, donc, pour les semaines à suivre, sa vidéo là, prenez un grand développement en termes réfléchis, en termes pensés. Parce qu'il pour une vision de l'avenir. Et pour ça, raison là, sa vidéo là, ce titre, c'est Manifeste. Nous faisons aux élections, bien sûr. Ouais. Nous toujours qu'aux élections. Ouais. Et nous pas juste qu'aux élections, mais qu'aux après-élections, qui peut arriver, comment nous devons vivre dans ce pays. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un grand bonjour de la part de Grande École Philosophie. Moi, mon grand mes frères Maurice, porte-parole et leader de Grande École. Il y a plusieurs choses qui m'ont causé très vite. J'espère que nous avoir trop long. Un, premièrement, on fait se connaître, qui me remercie tout Mandimoun qui fait une signe pétition jusqu'à l'air. Pour ceux qui n'ont pas consigné, vous êtes connu dans la rue, parfois, dans un certain endroit, parfois, et nous faire une petite causerie. Donc, qui fait une pétition là, et nous pouvons mettre les à la disposition publique pour être signé. Pétition, c'est pétition qui nous réclame nous l'identité comme natif africain dans la constitution de Maurice. Et sa pétition là, nous envoyons une partie toujours. Ce but ultime, c'est l'organisation Unité africaine qui pour gagner ça. Vous pouvez me dire comment tu veux qu'on pétition qui nous peut créer tout le monde de parti politique, mais je connais de tout une reste absent en parole et en écrit. Je tiens mot là. Et ce qui est pour moi comique, c'est que le président de la République, jusqu'à aujourd'hui, à cette minute que nous faisons la vidéo là, il n'y a pas de réponse aux pétitions. Il y a un président d'un État africain, il parle support pour dire qu'il est un Africain natif dans Maurice. Absolument, moi je dis dans la forêt, ou dans la forêt, il y a ça, un grand la forêt là. Pénadibou. Vous êtes. Pardonnez. C'est pas. Il y a un président juste pour. C'est les papiers qui balade, il y a signé. Mais pas le dire qu'il n'est pas fini gagner nos correspondances, il n'est pas fini lire, il n'est pas fini trouver. Nous connaissons les fins trouver, les fins tendre. Parce que c'est à quoi le téléphone aussi. Il y a des pédis, il y a des là. Vous connaissez ça? Mais les fins nous. Les autres correspondants sont les affaires. Mais il est vite pour dire que dans la forêt, il y a du bois. Et le natif, du pire. Il ne suis pas si bon ridicule face à les autres présidents de l'État africain. Ça, il prend son responsabilité. Mais nous connaissons, nous comptons bien l'avance. Qui va nous une grande partie pour vite ça. Donc, laisse-nous sensibiliser, nous voulons ce qui est principal, l'axe. Quand nous causons bicyclette, nous causons l'axe. Right?
quand nous causons une motocyclette, nous causons l'arbre. Quand nous causons l'auto aussi, nous causons l'arbre. Right? Qui pour faire une société, moi je trouve les voilà, si c'était élargi, c'est sans constitution. Vous avez aboli ces affaires qui disent nazisme, asiatique, qui est reconnu dans la constitution. Vous avez tout le monde, toute ethnicité détaillée, qui dit blanc, qui dit ban hindou, qui dit ban musulman, qui dit ban sino-mauricien, qui dit ban madras, qui dit créole, qui dit ban métis ou ban découlé, tout bien détaillé. Un groupe ethnique. C'est que nous disons, cachette nous là, mais je suis cachette, et la loi scientifique qui nous prête pour défendre dans l'université, nous discuter, c'est qu'on veut une discuter, dit comme ça, et une société élargie, mais elle a un élargissement, un groupe ethnique qui forme une société. Pour nous capables de dire à ce que nous avons tout ça là, nous pouvons unir ensemble pour vivre un citoyen mauricien. Aussi longtemps qu'à la base même, pas reconnaître cette ethnie, ça veut dire que pas capable d'être mauricianiste. Tout le grand théoricien qui a 50 bananes de la politique, vous avez une cause, mais vous avez cause d'impôts. Right? Nous avons expliqué ça dans ma vidéo avant. Nous avons retourné là aujourd'hui. Nous avons créé ce mauricianisme là. Et garde-le. Garde-le parce que si, dimanche après dimanche, une ethnie peut écraser, peut souffrir, ça veut dire mauricianisme peut souffrir. Comme ça qu'il y a quelque chose du point de vue scientifique, social. Si une ethnie peut disparaître, puis un relève-lui pour lui continuer à fleurir. Sa qualité qui est une fleur depuis 50 bananes qui me passent là, 51, il y en a, assez. Quel rôle nous, grande école philosophie demain, dans une société élargie? Nous, ben, philosophes pratiques, nous expliquer, nous réfléchir et nous expliquer, nous, ben, propositions, nous, ben, solutions à problèmes de société actuelle. Right? Ça qui nous fait. Nous propose solutions. Et jusqu'à là, ben, solution qui nous proposait, personne ne nous dit une société pas bon. Nous avons une proposition pas bonne, nous avons une solution pas bonne. Ce qu'ils ont fait, je te reste tranquille. Je te bousse la bousse, je ne vais pas causer. Bidier qui me fait passer, qui ne t'a pas causé, je peux faire pour l'équilibre social, combat contre la pauvreté, pour donner temps casse. Ça même, il n'y a aucun plan. Et l'autre nouveau parti qui me fait une analyse bizarre, mais lui aussi, il vient dire exactement pareil. Right? Qui peine un plan contre la pauvreté, contre l'inégalité, peine. Mais ça, nouveau parti là, il aussi vient un plan. Il vient un plan. Il vient dire une seule façon. Et la seule façon, c'est la façon absolue, plus haute possible. C'est ça qui nous besoin. Comme une ville, un état élargi, une société élargie, ce qui nous besoin arriver, ce qui nous l'objectif était, ce qui nous gagne une solution absolue. Pena qu'il est derrière, pena la moitié cimée,
Non, mais là, que bien arriver. Le faire, c'est qu'il bien faire. Et c'est ça, de dire qu'il bien abolir l'aide sociale, abolir l'intégration sociale, tout ce qu'on a fait là. Pas pour un combat contre la pauvreté, ça n'est pour réduire à la notion qui nous méritait, mais ce qui nous plantait, c'est un plan de prospérité nationale. Comment aller pour commencer? Du simple. Du simple. C'est que chaque citoyen qui a presque 18 ans prenne un plan de prospérité individuelle. Comment lui pour prospérer dans son avis? Il vient dire. Nous allons décider pour lui, mais il vient dire. Et comme gouvernement, nous là pour faire un objectif qu'il est capable de réussir. Ouvert sur la porte. Pas ferme sur la porte, mais ouvert sur la porte. Il prend des défis pour nous aussi, pour nous capables de réaliser notre rêve. Bien sûr, notre rêve possible, nous réaliser notre rêve possible, notre individu. Et ben rêve individuel. Ouais. C'est ça le but. Mais ce contrat social entre le citoyen et l'État, ce contrat social pour l'avenir et pour la prospérité. Parce que quand un citoyen connaît quand il est resté dans le territoire, que ce gouvernement reconnaît lui, connaît qu'il y pensait, pas oublier lui, mais nous créer une autre atmosphère dans le pays. Et c'est ça qui est bizarre, hein, comme base pour la prospérité nationale et la prospérité individuelle. Et là, Bandimoun, vous dire, mais ça qui promène moi, personnellement. Mais ce que nous pouvons faire, quand nous avons ça, ça éclaire de joie, ça satisfaction, qui nous est vivant. Nous vivons, nous vivons. Ça, une philosophie africaine qui appelle Ubuntu. Mola, tout là. Reconnaître ça. Reconnaître ça. Et nos responsabilités, c'est qui faire un citoyen aussi différent que notre capacité, de par notre héritage, de par notre en cette géographiquement, de tout capable d'une haine dans une société. Il sait. Nous ne sommes pas qu'il faut. Mais qui est-ce qui fait aller? Pas qu'on est qu'on fait aller. Mais je l'ai causé, mais dans la pratique, dans l'école philosophique, peut venir proposer ça. Et à partir de ça, l'atmosphère qui nous pour créer là, ça dynamise, ça l'enthousiasme que nous pouvons créer là, nous pouvons faire quelque chose que nous pouvons faire économiquement. Parce que je bien connais, tandis le bon drapeau, sport Maurice, sport citoyen, il y a 30 000. Mais chaque citoyen, sur le produit national brut, on va prendre dans mes explications, sport 30 000, 20 000 dollars par an. Combien? Par les autres, faisons un dollar. Je ne sais pas qu'on ne pas, il y a un billet, je ne sais pas qu'on ne pas, il y a une pièce. Ouais. Même causer dans le vide, ça.
même quand c'est en vide. Et nous pouvons faire un nouveau alliance économique avec l'Afrique. Nous pouvons faire ça. Nous travaillons là et nous bien fiers pour expliquer très simplement au nom de Grande École de Philosophie qui est un plan en mars tout bon la cour nous finir là et nous perdre l'avant à ce faire pour mettre cette bonne structure là visible dans le pays. Nous pouvons prendre une distance économique avec Roupi. Nous pouvons prendre une distance, Mouridiani, avec Roupi. Nous pouvons servir moins en moins Roupi. Nous pouvons aller vers crypto-monnaie. Ben, crypto-coin, comment j'ai envie d'appeler ça. L'Afrique qui crée ce crypto-coin qui appelle Ecoin. A pour Africa. Et nous pourrons être là-dedans. À nos niveaux individuels. Et Grande École de Philosophie, Finfini, gagne confirmation qu'il est responsable Ecoin, océan Indien. Ce qui veut dire, c'est que au fil et à mesure, ban qui en nous, pour être servi Roupi, mais pour servir Ecoin. Et pour ça, nous avons besoin de faire le devoir, donner une éducation aussi, ban citoyen, ban citoyenne qui ont envie de joindre là-dedans, pour qu'ils soient capables d'utiliser système informatique pour travail d'autres revenus. D'autres revenus pour dans le sens que quand je peux gagner, je peux convertir en Ecoin, mais là je suis capable de trouver en dollars comme ils étaient là, en euros ou soit en sterling comme ils étaient là. C'est une chose interactive, c'est une économie interactive entre les citoyens, l'économie qui peut vivre. Et il ne faut pas des affaires qui, du monde penser, mais c'est la 110 monde. Non, nous pas 110 monde. Nous connecter avec sa zone économique africaine, directement. Ce qui veut dire, un fonds support, un fonds économique qui nous faut besoin. Pour nous développer, nous pouvons gagner et nous pouvons faire aller l'avant. Le gouvernement lui est venu par nous. Nous sommes frères, nous sommes natifs pour être nous. Et pour vous donner plus de détails, quand Banzou pour coster, mais c'est que nous avons des autres, à Maurice, Banna, pour venir visiter nous. Il n'y a pas une invitation officielle au gouvernement qui peut faire maintenant. Mais autres, pour venir avec nous. Nous, peuple natif, de pour venir avec nous. Un grand nombre pour venir. Très, très prochainement. Et nous, ensemble, en autres, nous pouvons célébrer le jour de l'homme libre. Première fois qu'on a ça dans l'Afrique, le jour de l'homme libre. Voilà. C'est l'annonce que j'ai envie de faire. Et pour ça, je vais faire un appel, encore une fois. Je vais mettre la télévision le matin, une information, je vais trouver qu'il est arrivé. Donald Trump, il a la Corée du Nord. Il traverse la frontière, il rentre la Corée du Nord. Nous mettons sa fierté des côtés. Je vais mettre ce logo de côté. Qui résonne sur la tête? Qu'il fallait avoir un prix Nobel de la paix.
Mais il y a pour quelle raison d'autres qui est sur la tête, il finit faire ça, c'est faux là. Il finit au-delà de lui-même, il finit faire sa action visible au monde. Il n'a vers la Corée. Ce qui veut dire que dans Maurice, ce qui empêche nous progresser, c'est exactement les mêmes affaires. C'est la fierté et c'est l'orgueil. Il y a beaucoup de leaders dans le parti traditionnel, il y a ça. Le nouveau parti aussi, je peux développer même mauvaise manière. Mais nous, nous finissons à plusieurs reprises, nous la porte ouverte. Nous offrons tout du monde l'opportunité pour une cause en nous. Pour une débattre, pour créer sa société élargie là. Sa discours aujourd'hui là, il est mémorable. Parce que pour la première fois, pour la toute première fois, que je trouve devant eux un Africain, natif, descendant direct, l'homme libre africain, qui va même mailler dans l'Afrique, qui va même déplacer avec force depuis ce village et cette communauté. Que banan une vanille avec ban colon pour devenir un esclave ou un territoire africain. Nous ban siens vivants, nous ban siens vivants, ce système colonial, nous ban siens vivants, un système esclavage qui fait pour détruire nous psychologiquement. Mais nous sommes vivants. Et aujourd'hui, nous réclamons nous comme un homme libre, homme et femme libre, descendant direct de l'homme et de la femme libre de l'Afrique. Et sans la honte, nous dire. Et sans t'attendre nous l'estomac non plus, nous dire que nous là. Nous là, et nous nous-mêmes, devant aujourd'hui, message. Message, comment une société vise épanouir, vise vivre avec bon principe, Ubuntu. Tout là, nous là. Nous avons la guerre, la même nous la guerre. Nous toujours servi la sagesse, nous servi la connaissance, nous servi la joie pour exprimer ce qu'il vient exprimer. Alors, tout le monde qui écoute ce message là, c'est le bon leader qui, pour autres, leadership, veut dire ouvrir les bras, accueillir le plus grand nombre possible, right. Jouer avec le plus grand nombre possible pour créer une harmonie, une la paix, une prospérité. Donc, devine cause en nous. Devine cause en nous. La porte ouverte pour eux, pour devine cause en nous. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais nous pouvons continuer. Hein. Nous pouvons aller comme nous voulons aller. Avec ou sans, si pour personne, nous pouvons arriver. Nous pouvons prendre un peu plus de temps, mais pas faire l'ennui, mais nous pouvons arriver. Nous pouvons arriver. Peine à l'autre solution, à penser que nous voulons mettre devant où. Nous ne pas prendre solution à moitié si mais. Ouais. Destination nous bien arriver, nous libre, la connaissance, la sagesse,
nous faire. Nous remercions les autres pour leur attention aujourd'hui, nous avons causé une très proche occasion. Merci.